Et salut tout le monde les amis, c'est Zoria Gamers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft, la série La Quête du Pandarin. Du coup on se retrouve pour l'épisode numéro 2, je prends un peu d'avance. Du coup hein, j'ai pas trop de 6000 solutions, faut bien que je prenne un peu d'avance si je veux pouvoir vous fournir ça bien évidemment samedi. Donc, on est parti. Pour cette vidéo, on va donc commencer la vidéo. Tout simplement parler, raviver la flamme de la racine séchée de Carnouille, ainsi que la brise volante. Donc, attiser la flamme de la brise virevolante. C'est au même endroit les quêtes, donc on va y aller. J'ai eu attention de pas me faire aggro, ce serait bien. Eh bien, bon, trop tard, je me suis fait aggro par un mob. J'ai pris un peu cher, mais bon. J'ai encore eu un sac. Ah, je suis apparemment encore en combat. Oui, si vous ne savez pas, ce jeu est un peu buggé. Parce qu'évidemment, je suis sur un serveur privé. Évidemment, ce qui fait qu'il y a une petite complication en plus, c'est que bah, il y a des bugs, des mauvaises traductions. Par exemple, le fait d'avoir plein d'objets dans vos... dans vos inventaires, des petits bugs de son, ou encore évidemment le fait d'être encore en combat alors qu'on n'est plus en combat, c'est chiant, enfin plus en combat, donc ça a enfin remarché. C'est un peu chiant parfois, mais bon, on s'y fait. Donc là on va faire la vocation d'un nerf vivant. Il fait très très mal, hein. Du coup, on va pouvoir continuer. On a un autre truc à faire là, justement. On a une autre quête à faire. On doit racine séchée de Carnouilla. On doit récupérer de la racine séchée. Comment on pourrait faire ça? Racine séchée. C'est quelque chose que je ne vois pas. C'est pas lui. C'est pas un prince. Ça n'a pas l'air d'être racine séchée de Carnouille. C'est dans la zone. Ah, c'est ça, voilà, regardez, c'est ça. Voilà. Voilà, le Steady Retrieving, vous avez pu voir, hein, il y a encore eu un petit bug de français. Vous voyez, c'est écrit en anglais. C'est un peu particulier, hein, malheureusement. Je pourrais pas faire grand chose là-dessus. Ça restera comme ça. Hein. Si vous voulez qu'on dépasse le niveau 20, évidemment, si vous voulez que la série dure longtemps, et même, même que je fasse la série, parce que je vais pas faire une série sur la version gratuite du jeu, ça servirait à rien. Je pourrais pas avancer et je pourrais pas faire la suite de la série. Donc, puis après, en plus, j'ai pris exprès la version Pandarin du jeu. Je l'ai téléchargé exprès pour vous. Alors que je sais pertinemment que c'est la plus compliqué à récupérer. Il me reste encore une sèche. Voilà, bon, on y va, on va rendre les quêtes. C'est tout là-bas. Allez, merde. J'ai encore eu des sacs. Ils peuvent pas me saouler, ils vont vraiment me saouler eux. Hein. Ils veulent pas me laisser tranquille. Ok, c'est comme vous avez pu le remarquer, hein, j'ai énormément de sacs à chaque fois que je tue un mob. Ça c'est très très chiant parce que du coup, j'ai trop d'objets. Parce que évidemment les loots se modifient, on est sur un serveur privé. Alors. Super, je reçois des messages. C'est toi qui dit que je dois, je faut pas que je le fasse chier. Super.
Alors, gypate de feu. Raviver la flamme. Attiser les flammes. Ah, il me parle en anglais. Super. Vous avez fait du bon travail jusqu'ici, petit scarabée. Vous possédez les ressources pour ranimer Uo, l'esprit du feu. Dans la caverne au sud-ouest, il attend gardé par la maître Lifei. Vieux pandarin que vous avez rencontré dans le vieux pandarin que vous avez rencontré dans la caverne des méditations. Portez les offrandes à maître Lifei. Faites vos preuves et vous rencontrerez Uo. Ok. C'est par là-bas. Y'a un tag, on le fasse bien nos quêtes, hein. Franchement, j'aime bien, c'est reposant d'être pandaren, vraiment. C'est quelque chose de bien plus reposant que vous ne le pensez, vraiment, les gars. Passez pas 3 ans à vous battre et tout, enfin. Vraiment. Allez, hop là, va te faire foutre, toi. Mis à part que c'est très très chiant d'avoir tout le temps du stuff à t'équiper. Ajouter du stuff, puisque évidemment on est sur serveur privé. On aurait été sur un vrai type de serveur, franchement les gars, ça aurait été génial. Ça vraiment, c'est vraiment chiant d'être tout le temps en combat, d'avoir tout le temps des bugs à tout bout de champ. Mais on va pas pouvoir faire autrement malheureusement. Ah, attendez, slash join world fr. Ah, la quête est là-bas. Lifei. Vous êtes plus que bienvenu. Vous êtes doté d'un esprit combatif et d'une forte volonté, mais vous n'êtes pas encore assez doué pour m'affronter au combat. Vous devez vous battre avec votre corps, mais en réalité c'est votre caractère qui est mis à l'épreuve. Nous allons équilibrer un peu les choses. Prenez cette torche et allumez-la au brasero près de moi. Puis servez-vous-en pour allumer les 3 braseros situés autour du bassin. J'espère que vous trouverez la maîtrise dans vos passions. Ah non, manque une. Il manque laquelle? Ah. Vous êtes plus que bienvenue. L'heure est venue pour vous de m'affronter maintenant que ces 3 braseaux font la lumière sur votre potentiel. Nous allons voir avec certitude si votre âme résolue est réellement digne d'avancer. Je suis quand même niveau 7, hein, mon petit maître, mon petit Lifei. Vous êtes digne de continuer, guerrier. Oh, l'esprit du feu se repose dans la salle à côté. Laissez-le ce repère du petit poa que vous avez récolté pour lui. Puis utilisez le vent pour attiser ses flammes. Cela devrait vous avoir la considération. Quand ces flammes seront ravivées, menez-le s'il accepte au temple des 5 matins. Le bâtiment érigé au centre de l'île. Ok. Bon, j'ai changé mon arme. Avec l'arme qu'il m'a donné à la place. Et voici, oh, ancien esprit du feu. En plus, il est niveau 85, les gars. Je suis pas prêt. Uo saute joyeusement impatient de vous suivre. Maître Zhangzi vous a demandé d'accompagner Uo jusqu'au temple des 5 matins au centre de l'île afin qu'il puisse rencontrer votre prochaine destination se trouve devant vous au bout de cette houe. Très bien.
Alors du coup, il me donne un bonus. J'ai la bénédiction de WoW. La présence de WoW fait bénéficier d'une vitesse de déplacement améliorée. Et ça, c'est vraiment cool parce que vu là où on va, c'est assez loin. Et du coup, le fait de pouvoir être plus rapide, c'est bah putain de cool parce que j'ai sûrement pas envie de me taper 20 minutes, voire 30 minutes de trajet juste pour une quête où il faut ramener un esprit dans un bâtiment. Donc c'est vachement cool. Alors c'est vrai que par contre, je suis très très rapide et pour Hugo, c'est un peu dur, mais bon. Il suffit juste de l'amener, donc en fin de compte, ça risque d'être rapide quand même pour lui. Surtout qu'il me donne, surtout que j'ai sa bénédiction, donc dans tous les cas, ça risque d'être vachement cool là. Alors, il est là, c'est bon. Continuons donc. D'après ce que je vois sur la carte, on est plus trop, on est plus très très loin du bâtiment. J'avais appuyé sur V, j'avais désactivé une de mes options. Donc il faut monter tout en haut. Alors le problème c'est qu'on va passer devant des mobs, hein, malheureusement. Je risque de me faire aggro. Et ben voilà. Ça je montais. Ils sont deux contre moi, très bien. Ouais, c'est que WoW ne m'aidera pas, hein, évidemment. Évidemment qu'il va pas venir m'aider, hein. Ah là 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 là. Bon allez, merde. Par là. Eh hey merde, je me fais encore un gros. C'est pas possible. Je ne peux pas attaquer cette cible. Je ne peux pas encore le faire. Quand je vous dis qu'ils sont chiants, ils sont vraiment chiants. Bref, allez, on monte. Oula, j'écris mal. Ok. On arrive à la fameuse nouvelle zone. Bon, ça décrypte pas la carte. Voilà. Attends, un peu d'essai que matin. Voilà. Ça fait apparaître la carte. Il est crucial. Alors attends, d'avant je vais faire ça, voilà. Il est crucial que nous ramenions sains et saufs les trois autres esprits. Je suis trop vieux pour le faire moi-même. Et malgré toutes leurs compétences, Aiza et G campent tous deux sur leur position. Vous possédez toutes les qualités d'un héros ainsi que d'un équipe dont il manque. C'est à vous d'accomplir cette tâche. Chut! L'esprit de l'eau se trouve quelque part dans les bassins chantants, à l'est. Allez-y et retrouvez Aisha. Ensemble, découvrez la position de Chu, nous dépendons de vous. Très bien. Alors, attendez, j'arrête juste un des messages que je viens de recevoir. Non, c'est même pas un message, c'est une vidéo. Très bien. Ok, c'est pas grave. Du coup, on est parti, les gars. Ah non, cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, vous voyez bien ma cam. Parce qu'évidemment, il a fallu qu'il fasse que ma cam n'éclaire pas assez. C'est chiant quand ça arrive. Mais quand ça arrive, ça arrive. Alors, excusez-moi aussi du bruit qu'il peut y avoir de temps en temps. Il y a des travaux. C'est génial, hein? Donc, bah, j'espère vraiment. Ce bientôt, je dois laisser ma porte ouverte, malheureusement. Donc, si vous entendez des travaux, c'est pas ma faute. Voilà, hein? Je vous le dis, ce sera pas ma faute. On arrive dans une nouvelle zone, les gars. On arrive dans une nouvelle zone. Qui m'a l'air pas mal, quand même pas mal, hein? La découverte des bassins chantants. Par contre, ce serait bien si je pouvais directement aller à Amazon. Voilà. Hop. Donc là, par ici, on a deux quêtes. On a une quête à accepter de John Frontfer et on a une quête avec Alexa. Donc Alexa, c'est la quête que nous a donnée Maître Xianchi. Il va falloir qu'on fasse. Vas-y, Jojo Frontfer. Rapportez-moi des roseaux des étangs des environs. Ne demandez pas pourquoi ne pas pourquoi faites puis obtenez le résultat. Ok, donc faut que j'aille récupérer des roseaux. On va y aller. Tout de suite, hein, autant le faire maintenant, vu qu'on est à côté. En attendant, on va tuer cette cigogne qui, dans tous les cas, semble m'aurait attaqué. Pourquoi il est là, lui? Il me suit toujours.
Dis pas qu'il y a encore un bug. Ah bah si, encore un bug. Je n'ai pas de cible. Je crois qu'il y a encore un bug, il est pas censé me... accompagner. Non, c'est bon, en fait, il m'attaque pas. Je pensais qu'il m'attaquait. Ok. Donc excusez-moi, hein, je vais prendre de l'avance, hein, évidemment. C'est pour être sûr de pouvoir upload mes vidéos quand il faut. Parce qu'évidemment, hein, question organisation, c'est un peu complexe. On va inventer là-dessus, ce sera plus facile pour aller directement rejoindre les autres pandarins. Là, on me voit plus, c'est normal. Je suis super rapidement. Mince, j'ai commencé à attaquer des... Ah, il m'attaque tous les deux. Bon, attends, on va les éliminer. C'est pour une quête après, donc... Ça, je me rappelle de cette quête-là. Hein. Ça, je m'en rappelle. C'est pas tout de suite. Alors, comment on fait pour désactiver ça? Oh, je vais descendre, moi. Ah, attendez, je sais pas comment descendre. Ah, si, un petit peu petit. C'est compté comme un véhicule, très bien. Ok. Ok, ok. On va donc rendre la quête à lui, là. Geoff Fontfer. De quoi avez-vous besoin? Au revoir. Et on va aller voir notre cher ami qui est là-bas. D'ailleurs, si jamais j'ai une nouvelle arme... À travers la méditation, j'ai l'intention de trouver un moyen de localiser Shu. Pendant ce temps-là, un peu d'entraînement et de discipline vous serez profitable. Votre première tâche sera celle de toutes les lectures, les recrues qui pénètrent dans les bassins. Franchir les mâts d'équilibre à l'ouest et faire sonner la cloche sans tomber dans l'eau. Si vous tombez, la malédiction du bassin vous empêchera de remonter sur un mât et vous devrez revenir à Vrive pour recommencer. Ok. On va pas tarder à s'adresser, de toute façon, les gars. On va pas faire un truc qui dure 3 heures non plus, hein. Meurs. C'est trop loin. Ok, à rendre. C'est pas si difficile que ça en fait. J'aurais préféré qu'ils compliquent un peu la tâche. Chou, l'esprit de l'eau, avait un compagnon de jeu à l'époque où il venait nager dans les bassins. Un pandarin que nous appelons le vieux Liang. Liang a quitté la ville et ne vient plus s'entraîner dans les bassins depuis quelque temps. J'ai entendu dire qu'il vivait dans une petite maison au nord-est d'ici en haut de la colline. Liang serait peut-être qui a fait fuir Chou et où il peut se trouver. Allez voir Liang, demandez-lui des nouvelles de Chou. Ok. En fait, ça c'est quoi ça? Tissons de placement tout le temps, ouais. C'est que des tissons de placement. Du coup, on va aller voir Liang et on va s'arrêter, les gars, parce que ça va bientôt faire 20 minutes de vidéo. J'avais dit que ça durerait entre 20 et 25 minutes, donc voire 30 parfois, mais bon, là, voilà quoi, on arrive bientôt au maximum que ce que je vous avais proposé en début de série. Et puis parce que c'est pas parce que j'ai pas cours l'après-midi qu'il faut que je m'oblige à faire des tournages. À la base, je suis même pas censé faire des tournages. Je tourne en avance parce que justement j'ai pas cours, donc je en profite. Mais laissez-moi vous dire que c'est exceptionnel, que ça se reproduira pas tout le temps. Par exemple, demain je pourrais pas tourner, donc demain, bah dites au revoir, hein. Demain il y aura la vidéo que je vous ai proposée par défaut.
Des dangers pullulent dans ces bassins depuis peu. Les pinceurs d'eau les plus vicieux entre eux s'y sont installés. Il faudrait en réduire la population et je ne suis plus sûr en mesure d'accomplir cette tâche. Si vous pouviez nous débarrasser de quelques-uns d'entre eux, je vous en serais grandement reconnaissant. Méfiez-vous, ils sont nombreux. Ils voudraient peut-être mieux que les attirer vers le bord plutôt que de vous laisser encercler. Chou, l'esprit de l'eau jouit de la jeunesse éternelle, comme nous tous, les esprits de Shen, Shinzu. Nous avons été amis toute ma vie durant, mais je ne peux plus jouer avec lui. Je suis vieux et je n'ai plus d'énergie. En dépit de son caractère complexe, il est simple de la satisfaire. Il ne cherche qu'à se faire des amis. Chaque année, quand je retournais jouer avec Chou, je lui apportais une perle du soleil en cadeau. Puis nous jouons ensemble. On trouve ces perles dans le bassin au sud-ouest. Peut-être que vous pourrez être son nouvel ami. Intéressant. Ok les gars, du coup on va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Du coup on va s'arrêter là les gars, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu hein, parce que c'est quand même un let's play que j'adore faire avec vous. Même si bon il y a quand même des bugs, je peux pas régler ça. C'est vraiment dommage hein, j'aurais vraiment voulu pouvoir régler ce genre de bug. Mais c'est pas possible, mais c'est pas grave. Le but c'est d'apprécier le jeu et puis voilà, on s'en fiche que ça bug. Nous, ce qu'on veut, c'est apprécier le jeu. Même s'il y a quasiment tout le temps des téléchargements en haut, c'est pas grave. Du coup, c'est ça vous aura plu. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à la chaîne, hein, évidemment. C'est le but. Et évidemment, de partager, comme je le disais, et de vous abonner, évidemment. Hein. Et évidemment, de suivre les prochaines vidéos, d'activer la petite cloche et tout. C'était Zoria pour la quête du Pandaren sur World of Warcraft, l'épisode numéro 2. Bye bye tout le monde.